Chaque jour, je grimpais tout en haut d'une montagne pour évaluer la situation. La nuit, je me suis rapproché des positions françaises, très près de la position de l'ennemi, pour savoir combien de postes militaires ils avaient. Je suis très ému. La bataille de Dien Bien Phu était très difficile. Je devais trouver où était l'ennemi pour prendre chaque base. Quand les Français parachutaient des provisions, nous devions les trouver en premier. Aujourd'hui, je viens pour célébrer le 60e anniversaire, tant que je suis encore en vie. Je suis fier, après la libération de Dien Bien Phu, d'avoir contribué à la reconstruction de la ville. Dien Bien Phu est un endroit splendide et beaucoup plus beau maintenant que ça ne l'était avant. Sự nghiệp lớn trên giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.